Attends, je crois qu'il y a un raptor alpha, parce que là ça pourrait être extrêmement bien de tuer un raptor alpha. Avec les loups, tu veux dire? Peut-être plutôt avec les argent à vis, mais c'est pour le bonus XP. Ton argent, tu se dirige dessus en plus. Mais qu'est-ce que c'est, quoi? J'ai achevé de courir. Ah! Est-ce que c'est un raptor alpha, ça, ou c'est un raptor... C'est totalement un raptor alpha, hein. Là, on le dégomme, on prend masse d'XP. Bah vas-y, let's go. Le problème, c'est qu'il est dans l'eau. Ça, j'aime pas, lui. L'eau, c'est moche. L'eau, c'est mal. Oh, il est juste du coup. Oh, 45 et 85. C'est bon, il est sur moi, le raptor. La difficulté des grottes est en rapport avec la difficulté des boss. Le problème, c'est que je ne sais pas quel artefact il faut pour quel boss. Arrêtez de me pousser dans l'eau. Je veux pas tomber de mon argente. On ne me pousse pas dans l'eau. Faut péter l'argente là, et celui il donne bien là. Ne me pousse pas dans l'eau. Raptor est mort. L'argent plus. 95, il est corrié sec. Coucou un ours, comment ça va? De course. Parce que j'ai eu en route, mais... Écoute, hé, ça fait d'XP. L'argent, tu l'as pris de level. Bon, bah, voilà. Bah, écoute, ça va bien. Hein. On vient de se faire trois jolies petites grottes, ça fait plaisir. Là, pareil, il y a une note, là. Il y a une note? Ouais, dans les ruines, je les vois. Ah bah tiens, Carnot, deux Carnot alpha si tu veux. Oh la vache. Alors ici il est à côté, on va pas avoir le choix. Je sais pas quel niveau il est par contre. Faudrait les faire un par un, peut-être pas ensemble. Attends, je vais essayer de l'aggro. Tu me vois? Ah il me voit, attends, je vais m'éloigner. Ok, il arrive. Attends, je vais me poser pour... Il suit toujours ou pas? Ouais, il suit toujours. Vas-y, on va le défoncer. Là, il est sur toi du coup, il a switch. Là, il a eu rien du tout. Viens, donne-nous de l'XP! Donne tout ton XP! Ah, oh, il y a un Rex 50. Aussi derrière. Un Rex alpha? Non, un Rex normal. Moi aussi, c'est un Rex 150. Hein. Alors, la broue de sagesse, chasseur, colosse. C'est peut-être le. Non, colosse, je sais pas. C'est. Ah, on a peut-être ce qu'il faut pour la broude. Possible. Parce que sagesse et chasseur, on les a, et je sais pas si c'est le colosse qu'on a récupéré. Attends, on va vérifier après. Il y a la Rex qui vient. Oh bah lui, il est pas invité à la fête. Hein. Bah il s'invite tout seul. C'est un 125, il chie là. 125, c'est caca, c'est bon. Ouais, bah attends, je vais essayer de le défoncer. Il prend pas cher le. Il est boosté par le. Par l'alpha. Ouais, ça se voit. Il met du 61. Ça a l'air qu'on peut payer des argents, ça, ça part vite. C'est pour régène réel. Ouais, effectivement, mais je suis un peu bloqué. J'ai pas de bouffe. Ok. L'alpha il saigne bien, j'aimerais bien l'achever. C'est le Rex qui me fait plus mal que l'alpha, je crois. Ouais, le Rex il pousse pas, hein. Ok, ça c'est mort, c'est bon, le Rex il va mourir. Alors maintenant, du coup, on prend du 123. D'abord, il va mourir, elle va mourir. Alors, c'est pas la même, hein, sans ton pas l'alpha. Ah, il est costaud quand même. Bah, c'est un Rex quand même assez costaud. Faut que je régène. Artefact du dévoreur qu'on a. Oui, non, le colosse, je crois que c'est l'autre qu'on a récupéré, mais je suis pas sûre. Du coup, dévoreur, on a dit. Dévoreur, c'est le Megapithecus. Immunité, ruse, puissance et seigneur du ciel, c'est pour le dragon.
125, ça aurait été un beau bébé à terme. Non, c'est faible, c'est nul. 145 mini. 140. Encore pire. Bah, comment ça, encore pire? Non, 140. C'est moins que 140, ça. Ou du 150 mini. Ouais, 150 mini. Voilà. Bah, juste, t'as de la viande sur ton argent, toi? Sur l'argent, non, mais tu peux en piquer sur les loups, par contre, si tu veux. Sur les loups, on veut que tu envoies, techniquement. D'ailleurs, on surveille même pas nos loups. Si ça se trouve, ils vont se faire bouffer. Excuse-moi, je peux piquer un peu de viande. Vous êtes en neutre, hein? Ouais, ils sont en neutre. Ouais, s'ils se font attaquer, y a pas de problème. Ils vont se défendre, ils vont tout bouffer. Comme le Quetzal que j'ai repéré. T'as repéré un Quetzal 150, sérieux? Bah, Gotham, hein. C'est pas forcément les hauts levels qui ont les meilleurs stats. C'est totalement vrai. Mais... quand même. Il y a plus de chances d'avoir des meilleurs stats. Mais en vrai, 125, il a quand même peu de chances d'avoir au moins une stat élevée. 125... C'est vrai que même s'ils sont pas très haut level, ils peuvent avoir juste une stat qui est complètement complètement what the fuck, hein. C'est totalement possible. On récupère la note que t'as vue et puis on se fait le deuxième carnet. Ouais, vas-y. Elle est où la note? Attends, je me bouge, je peux la récupérer. Ouais, c'est une note d'histoire, ça. Any chemist worth his salt knows the irreplaçable value of testing. Until a tonic has been rigorously tested, it is less useful than water. If only I could persuade this island's less intellectual inhabitants to see the tests on Mesopithecus serve well for early trials, but they are no replacement for genuine human subjects at later, safer stages. By subjects, I of course mean willing participants that are prepared to risk mild headaches and much less mild nausea for the sake of science. The laughing skulls offered rather less willing participants at one point. Ah, Quel, tu parles fort. With how difficult it is to find volunteers. Oh, quoi, laisser sous quoi? I sometimes regret it. Ah, oh, quoi, les... Putain, attends, on les met bien. Hein. Bah, toutes les recettes utiles, c'est les autres. Ouais! C'est ça qui dit, putain, attends, on les met bien. Non, c'est qu'à un moment donné, je sais pas, il a craqué, hein, ça arrive. Hein. Ah, il a totalement craqué, oui. Il a brillé, oh, quoi, là. On l'a perdu. Hein. Bah, tu vas où toi? Tu fuis ou quoi? Eh hey! T'as le droit de fuir, hein. Ah, j'ai cru qu'on l'avait tué, mais en fait c'était un squid au bout. Pareil. Non, qui vient se rajouter à la fête là? Il est mort. Voilà, c'est comme ça qu'on pexe dans la vie. Moi j'ai pris un level. Moi j'ai l'impression qu'il donne rien à chaque fois, non? Non, je crois que c'est moi qui ai récupéré parce que j'ai 3 arbalètes, 2 épiques, une est rare. Je pense que c'est moi qui ai récupéré. Ah, ils ont looté des balles aussi, non? 3 balles? Non, 13? Je vois pas bien d'ici. Des balles? Pas de balles, ouais. Et des flèches, mais... Des balles pour fusil à canon long, non? Tout en haut? Vraiment tout en haut à droite, je crois. Ah oui, non, ça je crois pas que ce soit eux. Pas mal de merdier sur moi. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir remballer. Yep, on retourne à la base. Et puis s'il y a du drop, on récupère le drop, quoi. Ouais, attends, je m'étouffe. J'arrive. Du coup, t'as pris des niveaux, moi je prends rien comme niveau. Attends, il y a un autre ex qui a pop, on peut peut-être check. Ouais, si on a un beau... Oh, faut le tamer, putain. Un incroyable niveau 5. Ah, bordel, mais tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était vraiment... Oh, tu me dis, faut le tamer.
Les 5, ceux qui ont... Les niveaux 5, ce sont souvent eux qui ont les best stats. Moi, je tiens à le dire. Ah, on a échangé nos loups. Pas grave. Ouais, c'est pas grave. Allez, hop, let's go. Du coup, on peut faire des pauses au niveau des drops. Ah tiens, il y en a un violet juste là, sur l'île. Sur le... Vas-y, on récupère. Eh, on se fait plaisir. C'est sur la route, on récupère. Bon, ça, cette petite session de grotte nous a un petit peu rassurés. Waouh, je suis bien passé, je savais que ça se passerait bien. Par contre, sans toi, mon loup, il restait dedans. Hein. Dans la route d'avant, là. Il est pas encore là, le truc. Non. Alors, sur un serveur, j'étame plus de 200 regs de 125 à 150 et j'ai constaté que les meilleurs rôles sont entre 35 et 150. Merde ! Quoi, merde ? Non, mais en fait, ce qui s'est passé... T'as fait une carlette. Bah, en fait, j'ai regardé le chat et j'ai levé la main du clavier. Et du coup, quand j'ai remis la main sur le clavier, elle était pas bien placée et j'ai fait E. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Faut pas lâcher le clavier. Non, je vais pas dire que c'est la faute au chat, je veux dire que c'est la faute à moi qui ai retiré ma main du clavier et qui l'ai pas remise au bon endroit. Qu'est-ce que Mignodon niveau 10. Ah, il faut bien que je fail, hein. On a dit c'est à cause de la manette. Ouais, mais là je joue pas à la manette. Je joue pas à la manette sur Arc. Si, dès que tu joues la manette, ça passera mieux. La répartition est aléatoire. C'est 44 points plus le nombre de niveaux. Donc tu peux tomber sur un bestio qui a tout pris dans une seule stat. C'est vrai que beaucoup cherchent pour avoir des créatures top stat. Ouais, l'idéal c'est vrai que. C'est... Voilà. Après. Bah là, il gênait ce Rex-là. C'est vrai qu'il aurait été bien tamé, mais... Il nous gênait. En vrai, perso, je prends quand même quelque chose de... Ouais, on va dire 140 minimum, généralement. Et puis, on fait avec les stats. Hein. Après, j'essaye quand même de prendre toutes les meilleures stats sur ce que j'ai tamé pour les mettre sur un seul. Mais... je suis pas non plus à chercher à tamer 200 bestiaux pour avoir vraiment... La stat la plus élevée possible. Regardez, nos loups, ils sont même pas... Ils sont relativement basiques et ils ont très bien fait le travail, là. On a eu aucun problème. On a suggéré sur le fait qu'ils soient aussi mâles et femelles. Du coup, ils ont en plus le boost. En plus du boost de meute. Alors ça, on va pas se mentir. C'est pas de la gérance. C'est juste que c'est bien tombé. C'était pas intentionnel du tout qu'ils soient mâles et femelles. Mais c'est bien tombé. Je vois rien du tout. Fallait pas le dire. Mais c'est vrai que ça aide, hein, le fait qu'ils soient mâles et femelles. C'est mieux. Hey, merci pour le follow. Ah bah là, il s'affiche là, le follow. Zistra. Zistar. Excuse-moi si je prononce mal. Faut mettre moins de X. Il y a trop de X. Il faut pas aller lire les X, je pense. Lis Ishtar, seulement. Ishtar ? Ouais. Hein ? Ah bah oui. Si tu prends un bestio level 50 qui a tout pris en vie, par exemple, tu auras une stat très intéressante et plus haut qu'un level 150 qui a pris partout. Ouais, mais en vrai... Ça, c'est la théorie, mais la pratique... T'as jamais un level 50 qui a vraiment tout pris en vie. Ça arrive une fois toutes les 36 du mois, non ? Ah, mais jamais. L'exemple, c'est juste pour l'exemple, je pense qu'il a dit oui. Ça. Oui, oui, ça ne fait aucun doute. Mais généralement, ils prennent toujours un peu partout. Ça arrive jamais qu'il y en ait un qui prenne vraiment toutes ses stats dans une seule stat. Non, ils ont raison. Moi, ça me fait revoir mon jugement. Tu vois, je pense qu'à partir de 1, je tamerai mini vraiment du. 20 à l'arrivée. Du level 20 là, ça nous est déjà arrivé, il y a pas longtemps là, ça nous est arrivé qu'on avait eu une bonne stat sur un loup. Hein. Avant que le serveur ne crache. Et il était pas très haut au niveau, me semble. 135. C'était une femelle 135, la loup. Donc voilà. Je vais faire une pause, moi. Ouais, moi il faut que je la fasse aussi. Je crois que je vais me poser là.
petite pause. Si j'en ai déjà eu, après c'est tout ou presque. Un level 90 par exemple peut avoir 50 points dans une stat. Et le reste ailleurs, ouais. Bonne fin de stream. Eh ben écoute, merci beaucoup, des bisous à toi. Il m'a fait peur lui. Nien. Ouais. Ça me joue, les gars. Bon du coup on est dans une zone où il y a plein de drops. Le truc c'est que s'il y en a, et ben on les verra pas. Voilà. On voit absolument rien. Oui, mais je préfère trouver un haut level, moins de taf à faire pour la repos ensuite. Ouais, non, mais j'avoue. Moi, j'avoue. J'ai déjà essayé de faire des bébés perfects, boucher perfect et tout, bonne stat. Mais what? Mais on n'y voit vraiment rien. Mais c'est long. C'est long, c'est chiant quand même. C'est dingue comment on est loin. C'est pour ça que faire une base au centre de map, c'est quand même bien. C'est dingue comment je vois rien. Ah ça y est, un peu de visibilité, merci. Ah vache. C'est quoi ce nuage là? Non mais ah, ouais, on est super loin. Drop violet au sommet du volcan. Let's go. Il y a même un bleu si tu veux. Non, on veut pas de bleu. Je sais pas si la... Ah, pas c'est l'air d'être parle. Bah écoute, Tommy, je sais pas pourquoi t'as compris ça, mais c'est bizarre, hein. Faut faire un clip. Faut clipper. Ouais, je regarde parce qu'ici on avait trouvé notre X150 avant le crash du serveur, alors je me dis peut-être il est de retour. Mais pas l'impression dans que nos rêves. La lumière est aveuglante. C'est vrai que la lumière pète les yeux. Bah écoute, en même temps, c'est un peu comme en vrai, hein. Si tu regardes le soleil, ça pète les yeux. Bon, le violet, il a pas l'air rare, il a pas l'anneau. On peut enlever les nuages, j'en ai aucune idée. Moi, je cherche pas spécialement à les enlever. Moi, je joue avec tout. Le jeu, il est fait comme ça, c'est qu'il est fait pour être comme ça. Je sais pas si ça veut dire quelque chose que j'ai raconté, mais... Ça veut dire que dans le drop, il y avait un revolver commun. 6 cartouches de fusil à pompe. Waouh. Une grenade empoisonnée. Waouh. C'est tout. Pour le reste, tu repasseras. Ok. Ben, on repassera alors. Tu peux pas enlever les brumes et les nuages sur ça. Bah honnêtement moi je sais pas. Si tu peux, et Oups qui est moi sur le chat, lui il l'a fait. Il les a enlevés. C'est un ours? Non, Oups. Ah Oups. Mais ouais, mais Oups, ours, et eh, oh, oh, oh. Parce que j'allais dire, c'est bizarre parce qu'il demande. Donc ouais. Moi je sais pas. Regardez, c'est beau, on n'y voit rien, on like parce qu'il y a une grotte qui n'est pas une grotte. Entre ours et oups, il y a une différence. Bah écoute, techniquement, vu que le H de oups, il se prononce pas, tu changes le R en P et c'est pareil. Ours, oups. Ça se prononce quasiment pareil quand même, hein. Comment ça, RIP? Pourquoi RIP? Y a personne qui est RIP. C'est un verre et j'en veux pas. Regarde un peu aux alentours. Rien du tout. Par contre, c'est loin, j'avoue.
Les deux seuls qui sont d'accord sur, sur le truc, c'est juste Oups et Ours. Ils sont d'accord entre eux, c'est pas ça. On va essayer de se poser là-bas. Argument invalide. Non, argument valide. Cherchez pas. Genre, il y a deux titanos quasiment au même endroit, en fait. Quoi, t'es en train de me dire qu'il n'y a pas un titano, mais deux titanos chez nous? Non, un, mais l'autre, il est entre le volcan et chez nous, on va dire. Oh là là. Mais ils sont proches l'un de l'autre, quoi. Et un drop blanc avec l'anneau, incroyable! Ouais! C'est beau, alors vas-y, va le chercher, on va être fait avec ça. Aïe, ah, c'est fini de casser les arbres, là, je vous entends. Hein. Bande de sauvages! Eh, Pagis, moi je vais te piquer ton artefact du dévoreur, on va remplacer. Je crois que c'est celui du chasseur que j'ai mis sur les piédestals. Je suis mettre le dévoreur. Mais plus beau, il est plus beau, clairement. Mmh. En plus, il est violet. C'est vachement mieux. Et pour la violence, par contre, vous savez vous mettre d'accord aussi. Hein. Ah là là. Bande de violons. Regardez ça, c'est pas beau là, franchement, cette lumière. On vole face au soleil. Le soleil couchant. Il est là, le titano. Non, mais sérieux, en vrai, il est juste au-dessus de chez moi. Là. Et en vrai, il va vraiment me saouler. Hein. Bien, on va avoir le choix que de le tam. Hein. Qu'est-ce que tu veux, tam ce machin? On n'a pas ce qu'il faut. Techniquement, on a un canon, mais quand même. Mais il vient totalement chez moi, ma maison, elle est là, bordel! Non! Va-t'en, je veux pas un titano chez moi! Non! Ouais, on le voit de là. Bah oui, on le voit de là! Faut barricader ça. Je passe au-dessus des. De la barrière. La barricade. Ceci n'est pas acceptable! Ouais, il y a des trucs à décharger. Hein. Hey, j'ai une matraque électrique! Pas sûr que ce soit ouf, mais. Mais il y a une matraque électrique. Alors attendez, on va remplacer l'artefact. Oh, Pagis, il l'a déjà fait. Oh, Pagis professionnel. Carrément mieux, non? Carrément plus beau comme ça. Alors par contre, on a dit c'était celui du colosse éventuellement qui nous manquait pour faire la broude. Du coup, on a la meute, la sagesse et le chasseur. Donc c'est effectivement le colosse qui nous manque. Mais le colosse, on l'a où? Mais... Oh non, je suis sûre que c'est dans la crotte volcanique. Je sais pas. Ah, je suis sûre que c'est là-bas. On peut tame les titanos, mais ils meurent au bout d'un moment, je crois. Alors, effectivement, normalement, oui, mais là, sur le serveur, tu peux tame de façon définitive les titanos. Parce que, voilà. Parce qu'on n'est pas sur un serveur officiel et qu'on fait ce qu'on veut. Voilà, effectivement, ça dépend de l'option. Et l'option est faite qu'on peut tamer définitivement les titanos. Il y en a qui sont motivés. Par contre, vous faites pas ça à côté de chez moi. Parce que là, ça va pas le faire. Non. Par contre, Pagis, je t'invite à ranger au plus vite. Juste tes potions. Parce que les. Je les ai mis dans mon armoire de conservation. Ouais, c'est J'ai puissant. Eu peur, je me suis demandé ce que c'était, mais c'est la. Là. C'est la plante X qui a tapé un par hasard. Ah mais ça craint pas si la plante X elle attaque le titano. Oh merde.
Oh non. Tu vas te faire déglinguer. Oh non, 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 non. Il faut essayer de le taper et puis de l'éloigner, peut-être, non? Je crois que c'est ce que je vais faire, hein. Je le dégage de là. Attends, je vais venir t'aider. Mais... Faut le dégager. Colosse en 67-85 à peu près de mémoire. Ah, attends, 67-85, ça donne où ça? Je pense que c'est là, hein. 67-85, on est en 74-92, mais je pense que c'est bel et bien la cave volcanique, là, c'est celle sur la plage. Bon. Il est où le grand méchant vilain pas beau? Bah je le cherche, figure-toi. C'est bon, je l'ai trouvé. Je crois qu'il l'a entendu. Il te suit là? Non, pas encore. J'ai pas réussi à le taper. Waouh, on lui fait du 42 de dégâts! Je sais pas où je l'emmène par contre. Tu l'emmènes au niveau peut-être de la redoute là, regarde. Je le vois même pas, je sais même pas s'il me suit. Comment est-ce qu'on peut ne pas voir un truc aussi énorme? Il y a trop d'arbres. Oh! Hé le gros! Tu me suis? Ouais, le voilà. Ça me prendra un coup, moi je vais rien comprendre. Il me suit toujours? Je crois qu'il me suit toujours. Hein. Mais il galère, il fait des zigzags. Fais gaffe, il est juste derrière toi. Ouais, il va pas me one-shot quand même. Bah ça, je sais pas la puissance que ça. Il a lâché le... Ah oh, le gros sang, je suis coincé dans lui. Je vois plus. Bah je crois qu'il te suit. Hein. Même si plus la musique elle vient de s'arrêter. Je peux continuer à l'envoyer vers là. Les gars, parce que tu peux facilement rester bloqué. Non, pas le raptor. Viens, le gros, viens. Tu viens toujours? Tu viens plus. Bon, là, on l'a bien éloigné, mais j'aimerais bien qu'il tombe. Allez, il y a un peu de falaise. Ah, effectivement, je suis coincé dedans. Il veut pas tomber de la falaise. Ça, c'est à cause de l'IA qu'ils ont amélioré. Ils ont tendance à faire le tour plutôt qu'à te sauter. Saute! Saute! On dirait qu'il n'y arrive pas. En fait, c'est pas l'IA qui... Il en empêche, c'est le mur invisible. Il a sauté. Il est où? Ah voilà, il est en bas. Là, je pense qu'on est bon. Ouais. Il est loin de chez moi, là. Non là, je pense pas qu'il puisse remonter aussi facilement. Après, il pourrait faire le tour, mais... Ouais. On va reset l'agro. Et on se casse. Allez, salut, mec. Ne reviens pas, s'il te plaît. Parce qu'à la base, il était déjà dans le coin, hein, je crois. Hein. Il s'est beaucoup trop déplacé. Bah là, s'il continue par là-bas, il va rejoindre son pote. Il est pas remonté, déjà. Je vois une... Non. J'ai vu quelque chose, oui, aussi, là-bas, mais ça peut pas être lui. Non. Il est remonté, là, non? Non. Si, il est remonté. Eh, faut pas abuser. Il veut aller là, lui. Il veut pas aller ailleurs. Comment il a fait pour remonter aussi facilement? Mais... Allez, pose-toi l'argent, là. Déconne pas. Mais il nous fait quoi, lui?
T'as tout compris, on a modifié l'IA, on est le boss, en fait. Ils ont juste placé des murs invisibles pour les créatures. Non, bah ça va, il a l'air de se barrer, là. Je sais pas où il va, mais il y va. Ah, on est en train de faire le tour. Eh oh! Mec! Ou fille, je sais pas, j'ai pas regardé. Viens par là. Ouais, t'as une grosse tête, tiens! 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 Je vais te fighter! Ouais, il essaye vraiment de forcer pour passer ce mur invisible. Ouais, il y a quelque chose qui le bloque là. Ah, c'est bon, il est descendu. Voilà, tu peux le laisser dans son petit cet endroit, sauf s'il refait demi-tour et qu'il redécide de remonter. Regarde, il essaie de remonter. Mais il se fout de moi, ce truc. Ça a beaucoup de vis, machin, je pense que ouais. C'est un niveau 5. Je crois que ça peut se tuer, un titanosaure. Bah là, si on commence, peut-être que dans une semaine, on... Mais non, mais on comment est-ce qu'il peut remonter ça, le machin? Ah, arrête de monter! Oui, mais systématiquement remonter. C'est moche, hein. Je veux, t'as un copain Bronto, là. Il est tout petit de toi, mais... En même temps, il est beaucoup trop gros, ce truc. Mais tu crois qu'on l'a bloqué, là? Bah, ce serait bien qu'on puisse le glitcher. Ouais, bon, on a pas en fait, il peut monter n'importe quelle falaise, le machin. Ouais. Il monte n'importe quoi. Et le faire tomber quelque part, ça sert à rien. Bah au moins, il s'éloigne. Un niveau 5 peut résister et défoncer un gigano niveau 100. Cool. Bon, bah viens, on peut rentrer à la base. Ouais, ça va. Il a l'air d'être loin, c'est bon, on va faire ta vie là-bas. Reste loin de chez moi. Mais attends, si le machin il peut escalader comme ça une falaise, même si je fais une muraille, il passe dessus, il s'en fout. Hein. Vu les falaises qui montent... 5, c'est le maximum pour un titano. Ouais, je pense que c'est plus niveau 5. Mais c'est... Oh là là. Mais j'ai l'impression qu'il y en a plus des titanos, et j'ai l'impression que je vois des titanos partout. Ils arrêtent avec les titanos. C'est chiant, ce machin. Oh, regardez-moi cette lumière, elle est pas magnifique? La lumière du coucher du soleil, là. Elle reflète sur l'eau, en plus. C'est pas magnifique, ça? Ça, c'est magnifique. Et ça, c'est ma petite maison. Une toute petite, hein, comparée à la taille du titano. En fait, tu l'as mis où, mon... Ah, il est là. C'est pas à l'entrée, je crois. Ouais. Non, c'est trop bien pour faire base mobile. Tu la places dessus. Ouais, mais qu'ils en mettent moins, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il y a des titanos partout. Faut qu'ils se calment, quoi. Je veux bien, c'est bien, mais... Doucement, quoi, les titanos. Parce que c'est quand même pas une bestiole facile à tuer. C'est un peu... Un petit peu volumineux. Je pense que c'est le cas de le dire. C'est pas petit. Bon, du coup, mes plantes, elles sont grandes. Après, il y a peut-être moyen de les paramétrer, non, les plantes. Regardez-moi ces jolies petites plantes. Bon, en vrai, elles sont pas super belles, mais on va dire que ça fait quand même un petit peu esthétique. Et surtout... Alors, désactiver, portée élevée, ciblage, seulement les survivants ou les créatures apprivoisées. Les cibles.
Seulement les survivants, seulement les survivants, seulement les créatures sauvages. Seulement les créatures montées. Seulement les créatures apprivoisées. Pas moyen de mettre seulement les créatures agressives. La cible, cible les créatures sauvages en fait. Voilà. Je suis un serveur PvE. Seulement les créatures sauvages. Bon, mais on devrait être un petit peu plus tranquille. C'est la quatrième ou cinquième créature la plus grande de Ark, si je me rappelle bien. Bah là, sur... comment ça s'appelle? Sur The Center, là, ils vont sortir une baleine qui semble être absolument énorme. Je sais pas ce que ça va donner, ce machin-là, mais... je crois que c'est de la grosse, grosse baleine, hein. Mon truc, il est plein. Oh, j'ai tout qui est plein. Oh, c'est bien. Moi, j'aime bien quand il y a mes coffres qui sont pleins. Ça veut dire que c'est bien, que tout est plein. Moi, j'aime bien quand c'est plein. Au pire, on peut mettre là-dedans. Hop, du surplus. Toujours avoir du surplus. On va faire plein de ciment. C'est cool. Bah, c'est surtout que les baleines, elles pètent les radeaux. Ça, c'est chiant. Mais elle, je suis pas sûre qu'elle pète les radeaux. Je crois qu'elle est gentille, la prochaine baleine qui va sortir. Ça, on peut poser le stuff food. On va le remettre sur le mannequin. D'ailleurs, hop, petit plastron amélioré. Les pieds. Ça, on pose ça aussi, ça aussi. Ah, chez moi, ça? Ouais, c'est un schéma. C'est un schéma un petit peu inutile, mais ça reste un schéma. Ça, on pose. Ça. Non, ça, c'est les outils. Excusez-moi, arrangeons correctement. Ah, ouais. Si on va les mettre dans les... Bah, en fait, les outils, on va mettre aussi les armes. C'est juste qu'on n'a pas d'armes encore pour nous. On va mettre armes et outils ensemble. Et puis, écoutez, les amis, je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter là. Écoutez, on a fait trois petites caves. Du coup, il nous manque le colosse. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, les artefacts du dévoreur, ils sont beaux. Il faut préciser qu'il manque le colosse juste pour faire la broude. Pour faire la broude. On s'est pas arrêté pour voir... Pour voir ? Pour voir les invocations, justement. Ah, ben, au pire, tu peux vite fait faire un tour, si tu veux. Ouais, on a la tour rouge qui est pas loin. Allez, on va aller voir vite fait. Je crois que pour le faire en gamma, il n'y a pas besoin de, il y a pas besoin d'item. Elle est pas très très loin la tour rouge, on va aller voir ça. Si ça se trouve, on a peut-être même les items pour la faire en bêta, voire en alpha. Après, j'aimerais bien la faire d'abord en gamma, en bêta, en alpha. Et pas la faire directement en alpha, quoi. Le faire dans l'ordre. Ouais. Tranquillou. On va aller voir. Ce sera plus simple. C'est vrai qu'elle est belle, la tour rouge. Elle brille de mille feux. Elle est peut-être un peu plus loin que ce que je pensais. Mais je pense que c'est la plus proche de là où on est. Eh, par contre, ramener tous les dinos pour à la tour pour pouvoir lancer le boss. Sans les cryopodes. Ça va être sympa. Bah, il faudrait en fait un quetz. Je peux le faire direct en alpha et débloquer d'un coup, mais bon. Tu as le temps d'ici la sortie à la suite du jeu. Bah ouais, on a le temps, on n'est pas pressé en vrai. Enfin, je sais même pas quand est-ce que va sortir la suite, mais... Mais en vrai, on veut quand même prendre notre temps. En vrai, il faut prendre le temps, hein. Mmh. Pas bouder son plaisir. Bah ouais. Puis comme ça fera une sélection naturelle. Les plus faibles mourront en gamma.
Les plus forts prendront plus d'XP et seront plus forts pour aller ensuite en Alpha. Youhou, nous y voilà. Eh, on l'a fait d'une traite. Par contre, ils ont pas changé la tête des terminaux. C'est toujours les mêmes. Oh, y'a un iguanodon. Alors, voyons tout cela. Donc, effectivement, pour la broude, il y a besoin de rien du tout. Juste, c'est le colosse qui nous manque. On a le chasseur et le sagesse. En fait, pour les gamas, il y a besoin d'aucun item. Ouais, le dévoreur, c'est pour le... Ah bah, dévoreur et meute, on en a deux pour le Megapithecus. Sinon, cerf d'Argentavis, vertèbre de céropode, venin de titanobois et peau de sarco. En vrai, on pourrait même le faire directement en bêta. Et même directement en alpha. Enfin, quoi qu'il en faut 10... Là, il en faut 5. Ouais, la broude, en vrai, elle est pas très compliquée. Il sort quand, Scorched? J'en ai aucune idée. Donc, Pagis tombe en bêta. Oups, en gamma. Death, bêta. Mais non! Mais non! Je parlais de dino. Il vaut pas mourir. Moi, je suis sûre que c'est des professionnels, ça va bien se passer. Ah, par contre, c'est pour le dragon, il faudra de la graisse de basil... Ah non, c'est pas la graisse de basilosaure, ça va, c'est pas chiant. Et cœur de gigano, ça par contre, ça va être plus chiant. Non, pour tous les dragons, il faut des cœurs de... Non, pas pour le gamma. Sinon, ouais, il va falloir... Ah, les tentacules de Tuzo! Oh! Oh, les tentacules de Tuzo. Ah, le Megalania, c'est pour le Megapithecus. Ok. Non, mais on va se commencer gentiment par la broude en gamma. Hein. Faudra juste aller chercher l'artefact du colosse. Je suis en train de mourir de chaud, ça fait plaisir. Wouh! Mais c'est bien rouge le ciel là. Y a tout qui est resté tout rouge? Tu vois le monde en rouge? Ah ouais, je vois le monde en rouge. Vingt-cinq. Ouh, on va aller loin. On va aller très loin avec ça. Mais non, mais là, il y en avait qui partaient pessimistes. On va mourir dans les caves. Écoutez, on les a rush, les caves. Enfin, on les a pas rush parce qu'on y allait tranquille. Mais c'était tranquille, facile, aucun problème. Vous voyez? Ah, Pagis. Mm-hmm. Ça s'est très bien passé. J'étais sûr que ça se passe très bien, de toute façon. J'ai été persuadé, hein. Bizarre, c'est pas le souvenir que j'en ai. Quand on a commencé, c'est pas vraiment le souvenir que j'en ai. Hein. Aïe. Ah, la tour bleue aussi, elle est belle. Elle brille aussi de mille fois, mais elle est plus loin. La plus moche, c'est la verte. Scorched n'a pas encore été annoncé. La sortie Xbox est repoussée et PS4, pas de date. C'était dit fin novembre, mais bon, we'll garde. Ouais, du coup, on a le temps pour Scorched. En vrai, ouais, ça va peut-être pas sortir si tôt parce que sinon les consoles elles vont se sentir lésées, quoi. Ce qui serait bien normal. Et un petit Gigano 10, ouais, bah écoute, tue-le, on aura besoin de son cœur. Pour faire les boss, on aura besoin des cœurs de Gigano. Pouf! Maison! Et voilà. On est rentré à la maison. Oh, referme-moi les portes. Et du coup, les amis, cette fois, ça va être la bonne. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avec nos magnifiques artefacts. Regardez, hop. Voilà. Ça, c'est pas beau comme ça. On n'est pas bien comme ça. Je suis devant en plus.
Et bien sur ce les amis, moi je vous remercie à tous d'avoir suivi le live, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire à YouTube, des bisous à YouTube, hein. Il faut faire des bisous à YouTube. On a pensé à prendre les miniatures justement en plus pour YouTube. Allez, des bisous, bonne soirée et bye. Bye.